Bonjour à toutes et à tous, on continue notre petite partie, je crois qu'on est au chapitre 8. Donc là, les 6 vidéos que vous avez vues avant ont toutes été faites en 5 heures ou 6 heures, hein, donc je n'avais pas fait de stop. Là, c'est la première fois que je reprends un nouvel enregistrement. Bon, on revérifie un petit peu notre inventaire qui me semblait très bon. Peut-être que j'essaye de trouver un meilleur casque. Enfin, le casque est très bon, mais j'aurais voulu avoir une meilleure couverture. Mais il faudrait que j'arrive à en trouver un qui ait une meilleure couverture, mais avec un awareness très très bas. Mais bon, on va faire avec. Pour le moment, on n'a pas trop le choix. Donc, le moral est parfait. Nous sommes, je pense, je ne sais plus où j'en suis. Sword, ok, shield, ok. Tout ça me semble très, très, très bien. Par contre, on est un petit peu faible là-dedans, hein. Mais on verra bien. On verra bien. Le pognon, on en a combien du pognon? On en a 1800. 1800. Bon, on est au début, je pense. On est au début du time left. On va commencer d'abord par non, c'est un petit coup ici. Non, nada. On recontinue ici. Yes, ça c'est bien ça. Et un petit événement, ben, comme d'habitude, hein, ces petits trucs-là. Alors, gauche, droite, gauche, et un petit peu à droite. Donc, on va monter à gauche. Ah, on a une embûche. Donc, des ennemis en cuirasse de lin, chacun portant un écu coloré légèrement, émerge du bois pour nous attaquer sur les côtés. Il y en a un qui me lance son javelot, ma défense est suffisante pour parer l'attaque, et on va le rencontrer. Et ben, ça commence fort, hein. Ah, ben voilà, c'est le genre de casque que j'aime bien, ça, qu'il faudrait que je récupère. Ça tombe bien. Est-ce que tu vas m'offrir ton casque, mec? Hein, si on regarde. Ah non, on n'a pas son. On ne sait pas loin. Ok. Donc, j'ai pas fait attention. T'es à 45. Une petite constitution de 45 aussi. On va te faire mal, mec. Hein. Je crois que oui, on va pouvoir lui faire mal tout de suite. Ou pas. Bon, on va quand même pas prendre de risque, mon gars, que je joue intelligemment quand même. On va pas faire les fous, hein. Voilà. Bon. On va te refaire une feinte. Voilà. Ah, pas péter grand-chose, mes feintes, hein. Ah, là, tu es un petit peu mieux. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Je vais pas me prendre. Ouais, voilà, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Quand on veut aller trop vite, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Faut que je me remette un petit peu dans le jeu. Bon, eh bien, on va te laisser attaquer, mec. Ouais. Cette fois-ci, mon mec, plus de pitié. Petit coup de charge. Qui a marché, mais pas si bien que ça. J'ai du mal à m'en sortir cette fois-ci, on dit rien. Bon, et dans les attaques. J'ai du nec ici, j'ai de l'arme. Bon, on va te lancer. Oh là là. Et il peut rejouer une deuxième fois. Ouf. Ben dites donc. J'en ai du mal. Ah. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à lui passer? Pourtant, regardez ma charge, je suis tombé dans les petits 7 ou 8% là, qui traînaient derrière.
On va la refaire. Ah, quand même. Voilà, cette fois-ci, mon cher ami, vous êtes mort et décédé. Le cou est bien protégé, hein. On voit ça. Et regardez-moi la tête, là. Magnifique, hein. Ouais, donc on va travailler le bras quand même un petit coup. On va continuer à. Ou alors, on va une fois tester le soft spot ici dans le cou. Ah ouais, 34 points. Dis donc. Pouh. Ok. Bon. On a récupéré son casque. Alors, mon ami, qu'est-ce que. 7 pour la Warness. Mais bon. La grosse différence, c'est 20% de protection pour la tête et 30% pour le nez. Mais bon, 7, c'est pire que ce que j'ai eu avant, malheureusement. J'en avais d'autres qui étaient à 6 pour ça. Donc on va garder ce qu'on a toujours. Et ta cuirasse, c'était quoi? C'était pas grand-chose. Ok, on ferme ça. Oui, donc ils se réalisent qu'ils ont mordu dans quelque chose qui ne pouvait pas mâcher. Hein? Comme un chewing-gum. With no, avec pas de chance de. Ouais, bon, ok, retraite, c'est fait. Et c'est tout, ok? Alors, on va faire ça, ouais. Alors, je sais plus où mes maisons sont là-bas. Ok. Plus rien comme ils veulent plus me donner un petit bidule. Voilà. Est-ce qu'on va être gentil? On va être gentil. Oh, ça c'est bien, ça. Vos hommes respectent vos décisions. Wow, génial! Bon, en attendant, il faut que je retrouve à bouffer maintenant. Est-ce qu'il y a assez? Ok, allez. Dis-moi que on va avoir des bandits normalement ici. Ah, un nouvel truc, un nouveau événement que je ne connaissais pas du tout. La bande de Aimon. Non seulement nous sommes il y a largement plus de monde que nous, mais en plus Aimon est reconnu comme en étant un épéiste phénoménal, un des meilleurs dans la région. Il est un petit peu loin de son territoire habituel. Alors, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? Comme d'habitude, je crois que ma santé est pas trop mauvaise. Hein? Ouais. Allez, bon, ben ça se loue. Hein? Et en plus, on va peut-être avoir une très très belle épée là-dessus. Je connais pas du tout le mec, hein, on va voir. Mais il risque d'être dans les 90 là de Mipen. Alors, un tout petit peu perdu. Ouh, comment ça marche ça? Et ils ont. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. C'est quoi les effets qu'ils ont? Donc, ouais, leur gourdin est trop long pour l'espace confiné où ils sont. Donc, ils ont une pénalité d'attaque. Là, on n'a aucun problème pour buter tous ces petits mecs-là. Donc, ça va. On va lancer le javelot sur n'importe lequel. Je n'ai même pas besoin de regarder. Oh, presque mort d'un coup. Je vais voir si je peux faire mon attaque, tu vois, elle est bonne quand même. Bon, allez, c'est pas la peine de me traîner. Alors, qu'est-ce que vous me faites, messieurs? Vous ratez. Ok. Pas la peine d'aller trop loin dans la
attaque ici. Oui, avec tout ce que j'ai, les possibilités, là, c'est bon. On va d'ailleurs travailler sur la tête. Mais... L'autre ira de son coup, parfait. Donc il ne reste pas de tonnes. On va lui péter de nouveau la tête. Il est mort. Et il y en a un autre qui est arrivé à la place. Ah, lui, c'est autre chose. Lui, il a une hache. De nouveau, c'est pas faire grand chose avec. Mais, ouais, constitution, coordination, pas beaucoup de force. Et toi, t'as déjà un peu plus de force. Jusque là tout se passe extrêmement bien. Oh, ça c'est beaucoup moins bien. Heureusement, ils m'ont raté tous les deux. Bon ben ouvrez-vous, messieurs. Ouvrez-vous, messieurs. Donc toi, je vais te finir d'abord. Là, je peux me mettre en max. Je peux me mettre au maximum et normalement un coup sur le torse devrait être suffisant pour le buter. Et toi, je peux rester ici aussi. Par contre, toi, je vais te prendre sur la tête. Voilà. Et puis, je vais encore te prendre peut-être sur... C'est quoi qui paye le plus? Oui, c'est toujours la tête. Par contre, je vais me diminuer un petit peu. Pas la peine de me faire tuer bêtement. On va attaquer sur le torse ici pour ce qui reste. Voilà. Donc les trois mecs sont morts. Ok, donc on va travailler un chemin sanglant à travers les bandits. La discipline et l'équipement de mes soldats... sont sans commune mesure pour eux par rapport à la... Enfin, on les dépasse, bien entendu, de très loin à ce niveau-là. Et la première vague est battue avec très très peu de pertes. Donc... Donc, moi je continue. Hein. Donc, on n'a aucune vision que la bataille est finie. Vous êtes sûr que vous n'avez pas encore rencontré Aemon. Les choses pourraient devenir beaucoup plus difficiles, enfin moches, à l'intérieur du village. On va y aller. Hein. On va y aller. Voilà, donc ici on tombe sur Aemon. Donc comme on se dépêche pour rentrer dans le visage, vous voyez un autre groupe d'ennemis. Ah bah, avec la vitesse à laquelle il a, oui, la vitesse à laquelle ils exécutent chacun de ses ordres, leur leader ne doit être quiconque d'autre que Aemon. Il a dû avoir conclu que j'étais à la tête de cette partie. Quand il attaque, il vient directement sur moi. Nous sommes outnumbered and there is no escape. Donc je suis de nouveau... ils sont à plusieurs sur moi et je n'ai pas moyen d'échapper. Un duel avec Aemon est le seul moyen de faire tourner le destin, je veux dire, mais pas vraiment le destin. Bon, voici Monsieur Aemon, qui effectivement est peu près dans les 80, je suppose. Soul, là, ça va être du mal. Le mettre par terre, ça va être extrêmement difficile. Il n'a pas une quickness exceptionnelle et sa force non plus n'est pas exceptionnelle. Et il n'a pas de chapeau. Donc on va pouvoir lui taper à la tête. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il va me faire mal, hein, ça on peut en être sûr. Allez, à la tête si possible. On le touche à l'AN. Et à l'AN, son armure a... Ok. Si je l'attaque, tu vois ici... Il n'y a vraiment pas grand chose au bras.
Pas beaucoup, hein? Pitié, toi. Ok. Au torse. Ok, on va oublier tout ça. Où est-ce qu'on en serait au shield? Pas du tout non plus. On va se reposer. On va le laisser venir. Alors, on va voir comment il va m'attaquer. Il perd 28. Il essaie de m'attaquer à l'aine, en plus. Ok. Je peux lui faire une bonne petite feinte quick, ici. Autrement, le shield, non. On va lui faire une feinte quick. Et on l'a raté. Comme je disais, il a un très bon équilibre, donc dans tous les cas, il va à peu près à chaque fois pouvoir récupérer. Je continue à être en repos. Il m'attaque au cou. J'essaie de le feinter, mais ça n'a pas servi à grand chose. On va essayer. 5 points. C'est vraiment insignifiant. Est-ce que là je pourrais charger? Toujours pas. On va attaquer un petit coup au torse. 13 points, c'est pas mal. 13 points, c'est pas mal. On va encore lui donner un petit coup ici. Ça y est, il a pu recouvrir. Donc on va se reposer maintenant. Voilà déjà, moi je suis à moitié. Ok. Je crois que je vais l'attaquer tout de suite. Ah, chute. Ah ouais, hein, là il m'a attaqué. Même en étant comme ça, il a réussi à me toucher. Hein. Dangereux. Ok, on va courir. Il va faire la même chose. Je me repose. Il me touche. Heureusement. Il y a la tête en plus, hein. Il faut faire vraiment attention. Ah, il m'a raté Allen. Ok. Heureusement qu'il n'a pas de quickness. Hein. Il aurait du quickness. Ce serait encore beaucoup plus difficile. Là, je vais le faire toucher, j'en étais sûr. Et encore il me toucher. Oh, il me rate, quoi. Je reste derrière quand même. Il faut absolument, je n'arrive pas à récupérer. Hein. Ouf, ça y est, ce coup-ci je peux récupérer. Bon, est-ce qu'on... Même si je perds du moral, je préfère. Il est fort, il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Ouh, il n'a pas pu récupérer. Allez, fais-moi un bon petit bois, c'est pas mal ça. Il n'a pas récupéré. Et le spot là, tu... Mais ça me permettrait de le finir si je le touche. Non, je le rate. Heureusement qu'il ne peut pas taper deux fois d'affilée, parce que sinon, je serais dû à mort, quoi. Ok, il est le premier à avoir passé ici. Passe son tour. On continue. Je vais faire le laisser venir. Ouais, il me touche, hein. Oh, l'enfoiré. Il est fort. C'est pas la peine que je fasse un... Ah.
Oui, c'est pas la peine que je fasse une feinte. J'ai fait une feinte et il va la contrecarrer d'office derrière. Et donc, je vais perdre moi trois de... Comment vais-je dire? Je vais perdre trois de... Voilà, maintenant je peux y aller. Ah, j'ai un petit voisin qui fait un nouveau l'imbécile là. Enfin, l'imbécile. Qui fait nouveau énormément de bruit. Un point, quoi. C'est un plaisir de vivre où j'habite. Ok, on a eu un monde. C'est parfait. 5-3 pour ta chiffos. 5-14, c'est nettement en dessous de nous, nettement en dessous de nous, nettement en dessous de nous. Ton épée n'est pas si géniale que ça. Dommage. Ça, à mon avis, c'est la moitié de ce que nous avons. D'accord. Bon, j'aurais espéré avoir plus, mais bon, là, à mon avis, on va encore avoir une belle. quelque chose de joli en récompense derrière. Donc, quand ils ont vu que l'invincible leader a été écrasé, les bandits restent sans rien comprendre. Déçus, sont totalement déçus. Leur morale est complètement pétée. Ils commencent à s'enfuir dans toutes les directions. Quelques-uns ont été blessés avant qu'ils ne puissent se tirer. Donc, doucement et avec appréhension, les villageois sortent de leur maison. Ils ne savent pas encore s'ils doivent avoir peur de leur libérateur. Autant que de leur raideur. Et moi, je viendrai faire aussi un raid, mon petit. Hein. Donc, il y a pas mal de corps autour. Il doit être difficile pour ce peuple de récupérer. Allez, on va encore être généreux. Ils ont même parlé, un des vieux d'ailleurs nous demande de le suivre à l'intérieur d'une de ses maisons. On a énormément amélioré notre vertu. Il nous montre une paire de... Ah, j'ai bien fait faire ça. Espérons qu'ils soient bien. Ce sont donc des protège-tibias en bronze. Et c'est je suis intelligent, donc je connais assez de son langage pour comprendre que ça appartenait à un de ses ancêtres qui a servi sous Alexandre durant ses conquêtes. Et il s'est resté à côté des boucliers d'argent légendaires, un des peu... Ah oui, donc ça devait être des militaires, hein, des noms de militaires, les boucliers... Non, non, il a appartenu au légendaire bouclier d'argent, un des peu qui sont revenus et qui ont pu se retirer, donc qui ont pu se prendre retraite après la guerre, enfin durant les guerres de Diadochi, qui a complètement pété le jeune empire. Donc il veut m'offrir il veut que je prenne les Greaves. Je suis très heureux d'accepter le cadeau. Elles ont un leg cover de 55, matériel quality. Donc moi j'ai que 35, je crois. Et pas de pénalité au quickness. Waouh! We're them now, yes. Pourquoi est-ce qu'il me demande si je veux attendre d'être revenu? Pour que je vois si j'ai les meilleurs ou quoi. Ah, je vais les porter tout de suite. Hein. Ok. Génial. Waouh, ça valait la peine, ça, d'être sympa une fois là. Merci, merci, mon ami. Donc, je crois qu'il me reste encore celui-là que je peux faire. Non, ici, il n'y a plus rien. Mais il faut que je retrouve des. Un petit peu là-bas il y en a là-bas à droite. Allez, oh ben je du fiche ici. Ok.
Et on peut rentrer à la maison. Je ne sais pas où est Inedama. Dans ce coin-ci, je crois. Ouais. Voilà. On va aller regarder. Et on a quelle belle journée, quelle belle journée. Ça a été vraiment quelque chose de très intéressant. Je ferme ici. Je voudrais voir mon inventaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait avant. On avait les 30, là, on est passé à 55, donc on a bien gagné, hein. 25% de protection, on gagne 1 et 1 en plus, et on gagne 4 de quickness grâce à ça. Waouh, génial, 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 génial. Il manque plus qu'un bon casque, et peut-être encore aussi une meilleure. Waouh, et tout ce que j'ai, tout ce que je peux vendre là, j'ai 1800, on va attendre d'être dans les 2000 passés pour y arriver. Donc on va s'entraîner maintenant. On va s'entraîner au javelot. Ça, c'est passé. Et de nouveau, il voit en nous un reliable et un juste leader. J'ai pas besoin qu'il s'améliore ma troupe. Nous avons augmenté notre sword. Parfait. Mais on est toujours blessé, à mon avis, là. Voilà, cette fois-ci, on est bon. On revient ici. Pardon, pas ici. Je voudrais revenir dans les workouts. On va se faire de la coordination, s'il n'a pas voulu. Du run, oui. De l'endurance, ça a marché. De la gym, la constitution a augmenté. On revient, on va faire du training. Hein, là, ça n'a pas donné. Ah. Alors, je suis occupé d'admirer une cape de laine. Sublime. Le marchand nous raconte que c'est fait à partir d'une laine spéciale qui pousse sur les arbres. Oui, c'est du coton, on appelle ça, non? Non, ah non, bah non, c'est de la laine. Dans un pays distant, près du bord du monde, où Alexandre a gagné sa dernière grande bataille. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que cette histoire du fin fond du monde là, mais certainement elle paraît vraiment une très très belle, bien meilleure que la laine usuelle. Alors, ben, on peut améliorer notre statut un petit peu, mais ça n'arrive pas cher, c'est pas bon marché. Le marchand demande un équivalent de 200 dinari. On va l'acheter, on va dire, c'est quand même de descendre de prix, pas de chance, il insiste. Ben on va l'acheter et on va voir ce que ça donne. J'ai pété 200 dinari pour une superbe cape. Alors que ce soit un conte de fées ou pas, la qualité de la cape est vraiment très confortable. Et elle rend aussi notre présence plus remarquable. Donc notre morale s'est augmentée de 5. C'est cher quand même 200 pour 5. Ça, j'avais pas besoin. Les tribuns de 2 et le consul de 1. Ok. Ah oui, on est centurio prior, donc on n'a pas de centurion au-dessus de nous. Il n'y a plus que les tribuns qui sont au-dessus de nous. On est beau là, on a bien progressé. Donc les tribuns, c'est au max de toute façon. Donc le consul, on va continuer à s'entraîner. Hein. Alors, on a amélioré le sword, mais on continue. Et de nouveau. Alors, il y a toujours un nombre considérable de marchands accrochés au peuple, enfin, avec le peuple autour de ceux qui suivent le camp. Un d'eux nous invite à checker un coup ces histoires. Intelligence Awareness s'est passée. Et on découvre quelque chose de crafté magnifique, une broche superbement craftée. Sans connaître sa vraie valeur, il la vend juste pour 8 dinari, mais bien sûr.
Au minimum, ça vaut une douzaine de fois plus. Vous avez perdu Minimiari. On va le. Déjà, bah, pour le moment, on va. Ah. On va la garder. Vous ne prenez pas 100 balles. Et mon moral s'est amélioré, de toute façon. Mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, mon moral est superbe. Je suis au bout, il reste encore un petit cran ou l'autre, mais ça va nous permettre d'aller plus loin dans les bidules sans trop souffrir du sport toujours. Et de nouveau, un événement. Ah, il y a plein de plus en plus de soldats qui ont la fièvre. Nous autres, une bonne constitution, donc reste nickel, pas de problème. J'aurais voulu voir où j'en suis. Alors, en sorte 74-69, on va travailler un petit peu plus. Donc, on va revenir un petit peu ici. Mais ça n'a pas marché. Sauf pour un. Et le training, on va le retravailler sur le shield. Ok, on a pu monter de 1 dans le shield. Là, j'ai pas réussi. Allez, je continue. Malheureusement, pas moyen de ressortir quelque chose. Plaisir et fun. Ok. Je ne sais plus si je faisais ici, est-ce que Centurion ou les tribuns? Mais les tribuns, je m'en fous. Je suis au max, donc ça ne me sert à rien du tout. On a vraiment du mal à récupérer quoi que ce soit. Mais je continue. Non, pas moyen. Tant pis, tant pis, tant pis. On a perdu pas mal de. On est là superbe, hein? Bon, on est toujours bien là. On est toujours bien. Ok. On avance. Je ne sais même plus du tout où on en est dans quel pays on est, je suppose qu'on. Ah oui, on est dans les Dardanelles, si je me souviens bien, non? Alors, après avoir traversé le pays, les pays, oui, pays de Dasaretaï, votre armée a atteint les bords de la Macédoine. Ok. Avant l'hiver, Philippe. L'aide, je sais pas. Ouais, c'est gaspillé, c'est oui. Dans l'arrière. Oui. Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, nous sommes là. Le danger le plus important envers ces forces guerrières. Et vous savez qu'il a diverti ses efforts pour nous arrêter. Donc il a mis un petit peu partout des trucs pour nous arrêter. Ok. Alors, pour quelque temps, les deux armées ignorent chacune leur position. Quand les Macédoniens font contact, ils mettent leur camp à environ 1000 pas, à mon avis, c'est à peu près 1 mètre, non? De nous. Donc, ils sont directement conduits par leur roi, personnellement conduits par leur roi. Et ils sont à peu près aussi nombreux que nous, environ 20 000. Environ 20 000. Ok. Après deux jours sans qu'il se passe rien, le consul me conduit. Pour nous offrir une bataille, pour la première fois, votre armée a des éléphants. On a des éléphants. Vous n'avez pas encore décidé si vous faites confiance dans ces bestioles,
Ils peuvent être dévastateurs, certaines fois, mais les chevaux aussi peuvent les effrayer. Non, pardon, les chevaux sont aussi effrayés par eux. Mais ils sont connus pour se retourner contre sa propre armée quand ils paniquent. Donc, ce n'est pas une pensée que je dois garder en tête pour le moment. Vous n'êtes plus le jeune gamin il y a 10 ans, qui regardait les murs de New Carthage avec appréhension, mais à la pensée de faire face aux phalanges, aux légendaires phalanges macédoniennes, ne nous fait pas sentir très à notre aise. Cependant, il devient bientôt apparent que nous n'allons nous battre qu'en personne aujourd'hui. Philippe refuse la bataille et envoie quelques invités de cavalerie et de light infanterie. Oui, enfin, oui, Galba répond avec la même chose, la même force à peu près, mais le petit skirmish ne donne à rien. 2 jours plus tard, une autre escarmouche ne laisse aucune marque. Bon, quand le consul de Moreau, je connais tout Moreau, mais Moreau. Bon, Philippe décline de nouveau. Le temps est passé et personne n'est au courant que la ligne de supply de la Macédoine. Ah non, tout le monde est conscient que la ligne de supply de la Macédoine est beaucoup plus petite que la nôtre. Galba ne peut pas nous envoyer, ne veut pas m'envoyer pour récupérer du forage, donc à bouffer, quoi. À cause que les ennemis sont très proches, il n'est donc pas une surprise quand il me donne l'ordre de bouger notre camp plusieurs miles un peu plus loin, près d'une place qu'ils appellent Autolobus. Et non, pas Autobus, hein, Autolobus. Ok. Alors depuis la sécurité de notre nouveau camp, des petites teams, enfin des parties pour aller forager, hein, pour aller récupérer du matos, sont envoyés un peu plus loin et de plus en plus loin pour récolter du blé à partir des champs qui sont autour. Donc, il semble que c'est une belle journée quand nous arrivons à une aire distante. Tout semble aller bien tranquille et on dépense quelques heures à récolter le précieux blé, quoi. Alors, il y a un choc qui arrive quand un des soldats lance un cri d'alarme. Un large escadron de cavalerie approche et c'est pas des copains. Il faut pas longtemps avant qu'il n'arrive, qu'il ne soit là. Alors, je suis en charge et je dois réfléchir rapidement. Alors, on peut trouver refuge dans une petite forêt au nord-ouest. Si on n'est pas trop lent, nous pourrions être capables d'y arriver en temps avant que nous ne soyons récupérés par la cavalerie, quoi. Ou alors je peux convaincre mes hommes de calmer leur panique, de bien fermer les rangs et d'avancer en ordre à travers les arbres, enfin vers les arbres, en essayant de garder l'ennemi mais donc à distance. Alors, j'ai déjà fait Ordo Reveri One to Run, ça a marché, mais on perd quand même 2-3 hommes. On perd quand même 2-3 hommes. Maintenant, je peux aussi très bien dire que je ferme les rangs. On va une fois tester, je connais pas, on va tester ça. J'ai raté mon charisme, pas de chance,
Donc, il y en a beaucoup qui sont indécisifs et qui essayent de faire un break, mais c'est trop tard. Alors, je réussis à faire un petit squad et les cavaliers ennemis se dispersent pour chasser les fugitifs. Pas de chance. Le moral a dit, ah, j'aurais pas dû faire ça. Tant pis. Alors, donc il y a plusieurs groupes qui essayent de nous harasser depuis tous les côtés. Plusieurs de nos camarades tombent sous les coups des ennemis, mais nous tenons bien contre les différentes attaques. Au moins, nous arrivons à la forêt, on presse derrière les arbres où la cavalerie ne peut plus nous faire de problème. Donc là, j'ai raté mon coup correctement, malheureusement. J'ai perdu 12 de morale. C'est con ça. Tant pis. Donc on continue à avancer pendant à peu près une heure, une demi-heure, pardon, et on est toujours en sécurité de la cavalerie, mais il y aura peut-être un autre danger qui nous attend dans une place telle que celle-ci. Donc notre peur se matérialise quand quelques flèches commencent à tomber autour de nous. Je réussis tous mes attributs. Donc je ne reçois aucune injury grâce à mon attention et mon training. On court et j'essaye de garder les quelques obstacles entre eux et moi, quoi, si on, à mon avis. Between you and the direction. C'est ça. L'attaque a arrêté, mais pour un long moment, vous refusez de ralentir. Quand on se recompte, hein, contre le nombre d'hommes que nous sommes, il nous manque deux de chez nous. Il en manque encore deux. Donc je perds encore deux de morale. La vache. Heureusement que j'étais au max. Alors depuis une petite colline, je vois un large morceau du land, du pays, enfin, du terrain. La route la plus rapide vers notre camp passe à travers la plaine devant nous. Mais la présence d'une cavalerie ennemie, d'un escadron, nous dissuade d'aller plus loin sur cette route. Donc on a deux alternatives, soit un bois, un petit bois à notre gauche, ou un marais sur notre droite. Les deux offrent un bon couvert, ouais, à ce qu'on voit. Donc soit je peux aller vers les bois, soit je peux aller vers le marshland, donc les marais. Là, c'est sur l'endurance. On pourrait aussi aller dans les bois. J'ai déjà été dans les. Là, j'ai jamais eu de pépins. C'est toujours bien passé parce qu'il y a, comme je crois que j'ai beaucoup d'endurance. Hein. J'ai quoi comme 80 d'endurance? Ouais. Et l'autre, ça serait plus, à mon avis, dans la warness pour les bois. Donc on va rester ici. Voilà, endurance et coordination. On n'a eu aucun problème. Donc quand on arrive, on sort des marais. Le sol solide en dessous de nos pieds sont beaucoup plus confortables qu'on pouvait se rappeler. Depuis là, ça prend un petit peu de temps pour voir notre camp en vue. Ok. Nous trouvons de la confusion. Quand on arrive au camp, des petites parties de survivants comme nous arrivent avec des nouvelles alarmantes, comme quoi, enfin par rapport à ce qui s'est passé à l'extérieur, le consul envoie donc sa cavalerie pour sauver les gens qui sont occupés de récolter encore actuellement et il dirige. Il dirige l'infanterie lourde en support. Ok, moi je dois rester à la garnison, au camp, donc derrière. Donc je dois faire la garde au camp. L'armée revient à la fin de la journée. Les Macédoniens ont été repoussés et forcés à reculer dans leur camp. Il y a même un soldat qui a tué. Ou qui a réussi à tuer le cheval du roi Philippe, hein, en ayant presque eu également le roi.
Vous trouvez que ça semble un petit peu difficile à croire. Alors, une armistice est déclarée pour enterrer les morts de chaque côté. La nuit est silencieuse et tranquille. Mais quand le matin arrive, nous sommes étonnés de voir que Philippe et son armée ont quitté, sont partis. Pour le moment, Galba ne semble pas incliné à donner la chasse. On est toujours donc au bordeur de la Macédoine. Là, pour le moment, on n'a pas eu, ça n'a pas marché terrible, terrible. Hein.